Hello tout le monde, c'est Arféor, ou Arpad 6-7, ou Arpad tout court pour les intimes. Et je suis là donc pour vous présenter avec mon ami Arpiroquette qui est en train de me filmer bien gentiment ce qu'on Salut. va faire dans cette superbe vidéo qui sera plein de pouces verts, et voilà. Enfin forcément, hein, puisqu'il y a moi dedans. Non, je déconne. Bon, sérieusement. Nous comptons tous les deux attaquer le concept d'une série de décorations. Oui, ça a été déjà fait, mais on s'en bat les couilles parce que nous, on veut imposer notre style avec une maison contemporaine. On veut pas faire la même chose comme d'autres youtubeurs. On veut vraiment faire notre propre style à nous deux, quoi. Et donc du coup, on s'est dit qu'on allait se lancer sur YouTube et faire une série déco. Voilà. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Je vais tout de suite préparer les blocs qu'il va nous falloir. Alors avec un World Edit ça aurait été plus simple, mais c'est pas bien pour le bien de la vidéo. Alors, je prépare tout ce qu'il faut, les blocs, à peu près. Il me Pif faut paf pouf. ça, voilà. Je Bon, m'adonne peux-tu plein mettre le jour? Peux-tu de mettre le jour? Ouais. Ce sera plus simple de jour. Et donc, pour faire bien contemporain, on va mettre des blocs de. On Voilà. va mettre des blocs Alors de. déjà, la base d'une maison contemporaine, c'est de faire des genres de carrés. Alors tu me suis? Oh, t'inquiète, je te suis. Voilà. Moi, On ma va faire. spécialité, personnellement, c'est plutôt maison Moyen-Âge, mais. Attends. En tant que nain, c'est normal. Hey, je suis un incompris. 2, 3, 4, 5. Hop, cette Que je blague était regarde. déjà faite nombreuses 6, fois. 7, 8. On Voilà, s'en comme bat. largeur, c'est bien. C'est bien. On continue, Donc, sur. le secret pour une maison moderne, faut bien faire un truc avec des blocs qui s'entreboîtent et puis beaucoup de fenêtres, des grandes baies vitrées, c'est vraiment le secret. 12, Donc, voilà. personnellement, j'avais pensé après, une fois qu'on aura fini cette série, si elle vous a plu, on pourrait faire une série déco, mais ce coup-ci, style Moyen-Âge, où c'est moi qui prendrai les manettes. Ce serait pas mal, ouais. On fera plusieurs séries d'échos. Ouais, plusieurs, parce que. Moi j'adore ça la déco. Franchement, Minecraft, bon, ça a été conçu pour ça, mais beaucoup de gens disent ouais, moi je préfère le PVP, moi je préfère la Le survie. PVP, ça a une grande, c'est un plutôt grand succès sur YouTube. Ouais, mais trop de gens font du PVP. Bon, beaucoup de gens font aussi de la déco. Voilà. Alors Et déjà, d'où on a fait un cube comme d'ailleurs, ça. il y a une petite surprise pour vous. Si j'arrive à me débrouiller à modder le serveur et avec tous ces problèmes de nouveaux launchers et tout. D'avoir les compatibilités et tout le bidzouf. On Voilà. va vous préparer une série surprise avec le mode Gulliver. Ce Alors on a sera regardé cool. sur YouTube, ça existait déjà, mais le mec il c'était le seul à avoir fait ça. Bon, j'avais eu l'idée sans voir que quelqu'un avait ça sur YouTube. Donc je me suis dit cool, un concept totalement inédit et tout. Puis ensuite j'ai regardé pour vérifier sur YouTube s'il n'y avait pas quelqu'un qui faisait déjà ça. Et effectivement, il y a quelqu'un qui faisait déjà ça, mais puis après je me suis dit après tout sur YouTube, tant que si c'est qu'un mec qui fait ça, on peut se lancer dans le projet. Ce serait assez cool parce que ce serait assez marrant, on serait rétréci, ça changerait tout le gameplay de Minecraft. Voilà. Vraiment, ce serait sympatoche. 5, 6, 7, voilà cette hauteur-là. Merde. Tu as Oh, fail monumentalement. merde. Personnellement, en architecture extérieure, ça va, je suis assez fort, mais surtout Moyen-Âge, hein, je vous le Alors dis. moi je me souviens d'une map que j'avais fait en solo, en créatif, juste comme ça pour le fun, parce que pour passer le temps comme ça, et j'avais fait une maison mais vraiment géniale, avec des L'architecture. systèmes redstone, des éclairages journaux automatiques et tout compact, compact et tout ce qu'il faut. Et franchement, c'était une foutue bonne maison avec une terrasse et une décoration extérieure vraiment super belle. Et bah malheureusement, j'ai perdu la map lors du... Parce que pour faire la mise à jour et enlever les mods, j'ai supprimé le point Minecraft et la map était perdue. Ça arrivait à beaucoup de gens, heureusement que j'avais une clé USB avec mes maps sauvegardées dessus. C'était l'instant troll. Voilà. LOL. Bref, alors tu Ce que je continues là, voulais tu dire, c'est prolonges. j'aimerais beaucoup m'occuper de l'intérieur parce que c'est vraiment le truc où je suis le plus fort. Ouais. Bah on est deux alors. Écoute, au lieu de faire de la laine blanche, j'ai une idée. Non Écoute, on non pourrait non, pas regarde. utiliser les blocs de quartz. Bloc de quartz. Bon, pour l'extérieur, on va rester dans la laine parce que si ça change, ça va faire un peu. Ouais, ça fait un peu style romain. Ah oui, j'avais pensé aussi, donc
Et aussi, donc, les idées fourmillent dans ma tête, je viens d'y penser. Aussi, en plus de la série Moyen-Âge, donc une série d'échos, en plus de celle Moyen-Âge, une série d'échos, donc, sur un thème plutôt romain. Ça n'a jamais été vraiment fait, et les blocs de quartz, ça répond totalement aux envies des joueurs de faire des constructions de villas romaines, de la mort qui tue, qui déchire. Voilà. On a passé genre 10 minutes à faire le petit studio là-bas, on s'était bien marré. C'était à la base on avait plombes fait... pour un studio, mais tout va bien. On avait fait un promontoire merdique. On a galéré pendant 10 minutes, trouver un... Finalement on s'est dit on va faire un petit studio comme ça. Alors je sais que ma distance de rendu est pas super, mais bon, niveau FPS avec une carte avec la carte graphique que j'ai. Ah ouais, mais tout le monde peut pas. Bon, attends, tout le monde peut pas avoir l'augmenter. Tout le monde peut pas avoir un bon PC. C'est dommage ça. Alors là je fais pas assez d'FPS. D'ailleurs c'est ça le gros foutage de gueule avec les nouvelles consoles. C'est oui, je vais organiser un débat dans les commentaires. commentaires. Ça va être la baston générale. Parce qu'on n'est pas encore sûr qu'il y ait des gens qui regardent la vidéo. Ouais. Parce que c'est très dur de percer sur YouTube. Voilà. Là, tu remplis juste les cubes de leur couleur. Ouais, t'inquiète. Ouais, on fera les vitres après, là, on fait le gros du bâtiment. Contre, la musique Minecraft est un peu forte. Les détails, on les fera après. Donc, ce que je voulais dire, c'est donc le débat. C'est que les nouvelles consoles, elles sont, d'après ce que j'ai vu, elles vont être assez chères, surtout la Xbox One. Ouais, elles sont super chères et je suis L'avantage, c'est dommage parce que l'avantage des consoles pendant longtemps, c'était d'être moins chères que les PC, donc ça les rendait plus accessibles. Bon, après, les jeux, on les payait la peau du cul, quoi. Alors que sur PC, les jeux avec Steam et tout, on a des big promos. Bon, moi, mais je suis un PC. Le problème, c'est que la Xbox One, moi, grand fada de Xbox... la Xbox One est beaucoup plus axée multimédia et apparemment il faudrait payer en fait, pour jouer un lecteur même... CD. Apparemment il faudrait payer pour jouer même en offline. Lecteur après c'est qu'une rumeur, hein. On sait pas quand est-ce qu'elle sortira. Enfin, lecteur DVD. On verra déjà. Lecteur DVD on peut jouer dessus. Et tous ceux qui se disent je vais prendre la PS4, le online est gratuit sur PS, ils se sont trompés, la PS4, ils ont rajouté le mode payant sur la... Mode payant sur... En plus, ça, c'est en fait, c'est des PC, mais avec des manettes, mais c'est pas le top des PC, c'est ça le pire. Ouais. C'est ça le pire. PC, PC. Si mais à chaque fois que Bill Clinton devra donner 1€ lorsqu'un PC est bug, je pense que sa fortune disparaîtrait en 3 jours. Un PC, mais non, les PC. Je sais pas sont... si c'est Bill Clinton qui a créé Windows, je sais plus. J'en sais rien, je sais même plus. C'est Bill Gates, Bill Clinton, c'est un président. Non, mais je sais plus lequel l'avait fait, mais en gros. Mais c'est Bill Gates qui a créé. Ouais, voilà, Bill Gates, voilà, cherchez le nom. Perso, je préfère Ubuntu, c'est beaucoup plus open, beaucoup plus sympa. Et beaucoup moins ce truc de... Si Bill Gates devrait donner 1€ à chaque fois qu'un PC bug, il serait à la rue en 3 secondes. Oui, mais perso, le PC, c'est beaucoup mieux que les Mac. Les Mac... On n'a rien contre Apple, mais Mac, c'est... Voilà. Tu sais, après, on est en procès, Mac. Non, sérieux, Mac, Dieu, moi... J'ai insulté Mac, oh là là. Pour faire des montages, des photos et tout le bidou, moi, je trouve ça très bien. Mais après, pour jouer aux jeux vidéo, Mac... Mac, c'est bien pour travailler, mais pas vraiment pour jouer. Et Linux, c'est un peu pareil. Franchement, Windows, c'est bien pour jouer. Et le meilleur, je trouve, pour les autres trucs, c'est Linux. Et après, il y a Mac aussi. Ouais. Bon, ben, on continue ça. On est dans une discussion totalement polémique. Totalement. Polémique du démon. Polémique sur les PC qui aura duré la moitié de l'épisode. Non, je déconne, quand même pas. Sur la durée des épisodes, comment on fait parce que... Dans les 20 minutes à peu près, parce que c'est assez rapide à upload. T'as lancé le chronomètre? Non, mais j'ai regardé quelle heure il était. Ah ok, d'accord, nickel. Donc c'est bon, je regarde... J'ai l'œil. Hein. Donc ensuite, sur la chaîne de mon ami Harpy Rocket, nous avons en préparation quelques concepts plus ou moins original. Le concept Gulliver est assez original. Mais après on aura des trucs assez basiques que vous pourrez regarder si vous avez envie ou pas, mais qu'on va
tourner surtout pour le plaisir, comme un Fallen Kingdom. On va surtout le tourner pour le plaisir, pas vraiment pour les vues, mais plus pour la détente, ouais. Voilà, si vous avez envie de regarder, vous le faites. Mais nous, on va s'axer sur le contenu le plus original possible. Après, pour la chaîne, alors je sais pas si ceux qui s'il y a des abonnés là qui regarderont la vidéo, mais pour la chaîne, la série Heather, je franchement j'hésite à la continuer. Parce que la première vidéo, ouais, à peu près 800 vues, c'est pas mal, mais. Ah ouais, 800 vues. Ouais, à peu près, j'ai fait plus de 700 vues, presque 800, donc c'est pas mal. Mais la deuxième vidéo, les gens ont totalement lâché, et franchement, je suis un Donc, peu déçu de ça, mais. Et non, Arpad, ce n'est pas une blague, j'ai fait presque 800 vues. Ah, la classe. L'éclairage Glowstone, je vous indique que c'est un éclairage, donc en attendant, je vous conseille de faire ça sur vos constructions, au lieu de mettre des torches. Mettez des glowstones en bordel parce que la Peux-tu glowstone m'aider à remplir? ça a un aspect assez ça a un aspect assez assez chantier, je trouve, moi personnellement. Et donc du coup c'est bien sur vos serveurs quand vous voyez C'est mieux quand c'est temporaire, la glowstone. ouais, parce que sous la glowstone c'est Ça peut rendre pas. bien, mais ça dépend comment on l'utilise. Voilà, exactement. Comme tous les blocs Minecraft, là on est en train de poser comme des gros bourrins queue de la laine. On va dire ouais mais c'est moche. Mais on verra le résultat plus tard, vous allez voir, avec les baies vitrées, les décorations intérieures et le reste, ça va rendre Exactement. bien. Là, on fait le bâtiment bourrin. On pose les blocs bien bourrin. Et puis Pétage de après, plomb en on direct. fait les détails chrome par chrome. Chrome, chrome. Oh non, non, non. Chrome, c'est le dieu barbare de la baston. T'aimes la bière, non? Bière, 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 bière. Bière, bière, bière. Bon. Alors, la porte, je te la propose là. Voilà. Et Yeah. pour faire plus moderne, bien plus moderne. Alors attends, ça, voilà. Alors aujourd'hui, c'est Charlotte, on va vous faire des anglo-stones avec du rose. Non, je déconne. Deux Non, clichés. non, 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 non. Y a des féministes qui regardent notre vidéo, hein, vous inquiétez pas. Après, ça va gueuler, pouce rouge et tout. Ouais, c'est pas du tout comme ça les femmes. D'ailleurs, j'en connais plein des. Comment? Est-ce que tu veux mettre une baie vitrée sur la face principale? Écoute, déjà si on veut faire une baie vitrée, moi je pense que des vitres fines ce sera beaucoup mieux. Ouais, mais après avec la porte ça rendra pas bien. Ouais, c'est vrai qu'avec la porte ça rendrait pas bien, mais on n'est pas obligé de mettre des vitres au-dessus de la porte. Et puis déjà je sais pas si c'est une bonne idée des plaques de pression, quoique on reste assis dans un style Minecraft. Attends, On tu verras. Alors pour le chemin, je vais faire un test. Hop, pour le chemin conduisant à la maison. Ah, Hop. ça Oh, c'est voilà. l'argile durcie, non? C'est affreux. Ouais, c'est. Je teste, mes amis. Faut se rappeler que c'est souvent des tests quand on construit. Non, la baie vitrée, moi j'aime pas trop personnellement. Ce que je veux Moi, dire, généralement, quand je faisais des... pour revenir à ma réplique totalement sexiste sur le rose et les filles sur YouTube, c'est pas vrai, il y a plein de youtubeurs filles que j'adore, putain. Elles font les filles, franchement, je trouve c'est dommage qu'elles soient pas, il y en a pas assez sur YouTube parce que franchement dans le jeu vidéo les mecs écrasent tout, c'est presque que du contenu de garçons et il n'y a pas beaucoup de filles qui sont sur YouTube, moi Ouais, je il trouve devrait ça. y avoir plus de youtubeuses. C'est dommage parce que les filles quand elles font du boulot, elles en font du bon en général. Parce que une fille, ça ferait plus attention sur la précision ou des trucs comme ça. En général, hein, après. En général, on représente pas forcément totalement, mais généralement Je une... connais des filles bordéliques, moi, donc. Oui. Mais je veux dire, généralement une fille, ça fait attention Arthur à être Oquette est une soignée. fille. Non, je rigole. Voilà. C'est totalement immature. Oui, Ah. totalement. Moi personnellement je trouve que beaucoup de filles devraient se lancer sur YouTube. Voilà. Parce que pour montrer à tous les mecs sexistes qu'elles peuvent eux elles aussi faire des vidéos quoi. Regarde par exemple Biloulette ou pour pas citer encore ou Easy Maniac ou Evan Fox je crois que ça s'appelle. Toutes ces youtubeuses là, moi je les admire parce que se lancer sur YouTube avec un public de mecs parfois un peu bizarre. Surtout en fait les vidéos IRL parce que beaucoup de commentaires parlent des boobies en général. Donc regarde cet aspect de chemin qui m'a l'air tout à fait sympathique.
Tu veux que je set le time au jour? C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, de Parce que préférence. sinon, les viewers, j'y avais pas pensé. Les Pour viewers les me vont. viewers, ce sera un peu chiant. Alors, pif paf pouf, je suis en train de faire des tests de mon côté. Si c'est de la merde, Harpy Rocket ne filme pas. C'est bien, on laisse. Bon, moi je suis en train de faire les vitres, alors je sais pas si ça rend bien ou si on fait une baie vitrée complète. Je suis totalement en train d'expérimenter ces fameux nouveaux blocs qui sont très prometteurs. Hop. Hop. Le studio, je pense que... Écoute, le studio. On s'est bien fait chier à le faire, mais maintenant... Alors, je trouve que ça rend plutôt bien, ou ça donne un aspect industriel ou domicile, la J'arrive. baie vitrée que j'ai fait là. Regarde, non, ça donne trop un aspect industriel. Et franchement, des vitres fines. Regarde, je te propose ce qu'on devrait faire. Je te le montre En après. barrière de glace, c'est ça? Non, recasse-le, je te montre ce que je veux faire. Mais d'abord, occupons-nous de ce studio. Ça va être fait. Voilà. Je l'aimais bien, ce studio. Bon, c'est pas grave, on va arrêter de faire joujou TNT. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est... je vais prendre des vitres fines. Et ce que je te conseille de faire, c'est... Non, 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 non. Déjà, il faut faire des contours. Tac. Qu'est-ce que t'en penses, sinon, du chemin? Il est pas mal, comme ça. Jusqu'au sol, ça rendrait bien plutôt. Non, non, non. Moi, je t'expose ce que je veux faire. Après, c'est toi qui vois. Hop. Ce qu'il Moi, faut faire, j'impose regarde, un peu mon idée de maison. je te montre sur cette Alors, façade. attendez, on me parle sur Skype. Ce n'est totalement pas permis. Mais toi, ne pas déranger. Voilà, comme ça, regarde. C'est très basique, mais au moins. Attends, attends, bah. Attends, on fait... Non, 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 laisse. On fait carrément... Voilà, on fait le coin comme ça. Non, non, les coins en vitre, j'ai toujours trouvé que ça rendait mal. Après dans les commentaires, oui vous passez votre temps à vous disputer sur comment on peut faire, c'est nul. Ah oui, ouais, là c'est pas mal, là, regarde. Donc voilà, ça rend un style des... Bon, c'est un Et peu là, on fait trop haut. comme ça. C'est un peu trop à mon goût. Donc du coup, je vais cut complètement au milieu. Et pour ce faire, Voilà. je vais prendre des blocs de laine. Test, bien sûr. Là, je suis encore en train de Pas tester. mal, mais ça fait un changement trop brut. Non, non, regarde. En fait, ce qui Voilà. serait bien, ce serait de faire un genre de... Hop. Ah ouais, je vois. Dégradé. Comme si la peinture d'un des côtés débordait sur l'autre. Je trouve que ça va normalement... Après, je teste. Ça va peut-être rendre un truc assez sympatoche. Non, trop carré de ce côté. Voilà. Et là, tu le continues à la rigueur comme ça. Voilà, comme ça, exactement. Voilà. C'est fait. Pas mal, pas mal. On dirait une vitre à moustache. Elle moustache. Hop, comme ça. Hop. Alors là, par contre, c'est Alors, hop, je préfère faire plutôt comme ça, regarde. Sinon, si t'as raison, ça fait trop El Moustacho. elle moustache. Tata, viens voir dehors. Pas de problème. Bam, déjà. Comme ça, c'est bien. Pif, paf, pouf. Je trouve que les trucs droits comme ça fait beaucoup trop industriel. Tu trouves, hein? Ouais. Alors là, on n'a pas Faut vraiment l'espace pour. que je meuble, faut que je meuble, faut que je meuble, faut que je meuble. Tu vas bien? Faut que je meuble. J'aime pas quand dans les vidéos il y a ce silence. Alors toi tu passes en tant que viewer parce que j'aime bien regarder les vidéos des youtubeurs. Et donc du coup en tant que viewer j'aime pas quand ça meuble pas. Je suis là mais allez dis un truc, je sais pas, raconte ta vie. Oh C'est là, chiant quand... généralement je le fais plus arrondi, mais on n'a pas vraiment l'espace pour. C'est le genre Voilà. de haie comme ça.
Alors, est-ce que toi, t'as un pack de textures? Parce que perso, j'utilise celui de base, parce que celui de base, c'est celui le plus utilisé. Ouais, non, moi j'utilise pas de pack là. Ok, d'accord, nickel. J'ai oublié que je pouvais monter jusque là. Nya-ha! Je vais le décaler d'un cran dans ce cas-là. Non, pas comme ça. Souvent, alors... On est en train de galérer à trouver une idée. Si ça se trouve, d'un épisode à un autre, vous allez voir tout changer. Vous allez faire « Ah, c'est quoi ce bordel? Pourquoi ils ont tout changé ?» Parce que des fois, ça arrive que... À la fin de l'épisode, finalement, je sois pas très convaincu. Et puis, on change. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est sympa. Attends, je vais voir à l'intérieur. Ouais, carrément. Et après, on mettra des plantes et tout. Ce que je voulais... Bon, là, c'est un peu what the fuck. Alors là, tu vas voir ce que ça va donner. Tu vas être plutôt... Tu vas voir, ça rend plutôt bien. Alors, dans les vides, faut jamais faire trop carré, quand même. Je vais quand même filmer ce que t'as fait. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. S'il faut pas faire trop carré, contre, moi, je trouve... Je pense que l'épisode du début sera un peu plus long, parce qu'on touche déjà vers la fin, on n'a pas fait grand-chose. On va le prolonger un peu de 5 minutes. Ouais, c'est 25 minutes pour le premier épisode, surtout que c'est l'ouverture et tout. Ce sera plus logique qu'un épisode... Oh, je viens d'avoir une idée géniale, là. Que se passe-t-il? Idée géniale. Oui, on est en train de faire les vitres et puis tout d'un coup, pouf, change de truc et pouf, je fais autre chose. C'est comme ça que je construis, moi. Oui. Mamma mia. Mamma mia, c'est perfecto comme ça. Ma. Oh, ma. 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 Cette accumulation de clichés au cours de la vidéo. Mais c'est totalement ça. On va se faire démonter par tout le monde. Allez, arrêtez, putain, vous cassez. Arrêtez de faire des vidéos de merde. On vous déteste. Allez vous pendre. Ah oui, ça c'est un truc que j'aime pas, c'est. Sur certaines vidéos, ça fait. Mec, viens voir. Allez vous pendre. Viens voir mec. Non. Viens voir mec. Non. Qu'est-ce que t'en penses? Viens voir mec. Je rentre, pas par la porte. Oh, totalement stylé. Après, on mettra des plantes et tout. Mais là, pour l'instant, on s'en fout de l'intérieur. Oula, c'est ce hein, que ça fait... rend pas trop bien, c'est trop large. Attends. J'ai une idée, regarde. Non, surtout. Tu m'as pas laissé finir. Je brûle. Je brûle. Tu m'as pas laissé finir, c'est ça qui est dommage. Ah oui, pas con. Ça fait moins violent comme changement. C'est pas ça que je veux faire, en fait je veux faire un balcon du démon. Voilà, ça rend plutôt bien. Je veux faire un balcon. Balcon. Qu'est-ce que t'en penses si sur ce toit blanc on mettrait pas un jacuzzi? Écoute, on verra. On aura bien ça fait une dizaine d'épisodes. Ce sera bien dans une dizaine d'épisodes si on avance rapidement. Attends, regarde. Là ce que je propose. On verra le moment. Que je regarde ce que ça donne. Non, attends. Regarde, un genre de putain de carré de la mort. Avec une lanterne, mais comment on pourrait faire ça? Putain, moi je suis trop un gothique, moi. Quand je fais 1000 vidéos, je dis mort, démon, je suis trop un gothique. Ah non, c'est trop violent, en fait. Allez. Ça va pas le faire. Là, je voulais faire une genre de lanterne, mais... Bof. Ouais, on verra. Le détail, c'est après, t'as raison. On aura le temps. Dans un délire, mais... En fait, non. Voilà. Ici il manque un cube en fait. Ici je pense qu'il manque un cube personnellement. Personnellement parlant, je pense qu'il manque un cube ici. Alors, pour l'intérieur, je sais déjà ce qu'on va mettre. Voilà. Bam. Ça rend plutôt bien pour les maisons modernes ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal comme plancher ça. Oh bah fais voir. Après on fera une piscine bien sûr, une piscine. Comment faire une maison moderne sans piscine? Parce que dans le futur, on serait tous riches. Le plancher comme ça. Aide-moi à juste. Et l'intérieur, viens, l'intérieur, on le fera une autre fois là, pour l'instant. On se perd, oui, parce que on n'est pas encore trop expérimenté sur YouTube. Donc excusez-nous de certains défauts qu'il y aura. Certainement. Voilà, je pense faire une marche comme ça, qu'est-ce qu'on pense? Le plus... Hein, une marche? Ouais.
Hop, je rentre par la fenêtre en mode gros violeur. Descendre d'un cran comme ça et en faisant une marche. Ouais, pourquoi pas, mais viens, on fait l'intérieur une autre fois. Je t'ai dit, reviens, sinon fais c'est. J'arrive, j'arrive. On fait l'intérieur une autre fois. Viens, on continue sur le dehors, ça me paraît bien. Alors, soyez indulgents au niveau architecture, on n'est pas des professionnels. Et de une, et de deux, et de deux, et de deux, et de deux. J'ai jamais fait de maison moderne, du coup, c'est totalement nouveau. Totalement nouveau. Viens, regarde, on pourrait faire une genre de véranda ici. Une véranda. Ouais, ce serait un coin transat, pourquoi pas. Une véranda. Je pense que c'est fini, là. T'as regardé le timer? Ben, il me reste encore 2 minutes, donc ça ah va. Oui, ouais. Tout le monde va faire bouh, Arfeor. Ou Arpad 67, ou Arpad, c'est comme vous voulez, mais je pense que je vais m'appeler Arfeor dans les vidéos. Je trouve ça plus drôle. Voilà. C'est tellement stylé. Ouais, moi juste là, il y aura l'étage avec la chambre. Et donc, j'aime tellement ce pseudo. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, Arfeor, c'est le grand méchant qui fait terminer les vidéos. Il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil. Alors, je pense qu'ici, il y aura la chambre avec un escalier en colimaçon. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, ouais, on verra, ouais. Pourquoi pas. Ça pourrait être bien sympatoche, ça. Mais en fait, il y a quelque chose que je voulais faire ici, là, au-dessus, regarde. Viens voir. Regarde. Ici, qu'on mette genre un mur un peu moins épais, comme ça, en vitre, tu vois. Ouais. Comme ça. Et on verrait l'escalier depuis ici, mais... Écoute, on verra. On a le temps pour l'instant. Moi, j'aime pas ce côté carré de l'entrée. Ça me stresse. Je vais essayer de casser les coins pour voir. Ah ouais, c'est mieux. Tac, tac, tac. Bon, pas avec de la laine noire, ça va pas le faire. C'est mieux. Hop, c'est bien plus sympatoche. Hop, 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 direct. Ah ouais, bah c'est beaucoup plus sympathique, voyez-vous. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Oula, on voit pas grand-chose, voilà. Oh, ça a l'air. Ici, ça a l'air la pas... chambre. Peux-tu m'aider à finir ce cube? Je te laisse faire. C'est toi qui as déjà construit une maison moderne. Moi, j'ai jamais fait. Donc du coup, j'explore totalement. On fait un petit peu un mix de toutes nos idées. Ouais, voilà. Bon, par contre, Arpad, pour la série version Moyen Âge, on verra. Alors Arpad, je pense que tu devines, mais bon, là, l'épisode touche à sa fin. Yep. Donc dans cet épisode on va juste faire un petit peu la structure principale. Dans l'épisode suivant ce sera plutôt intérieur, tout ce qui est décoration intérieure. Non, épisode suivant, ce sera pas d'épisode, et voilà, et comme ça vous l'aurez grave dans le. Non, quand même pas. Épisode suivant, je pense qu'on va finir l'extérieur et terminer l'intérieur. Oh ouais, yeah. On va finir l'extérieur et entamer l'intérieur. Et on va se clore. Par contre, ne vous étonnez pas s'il y aura pas de vidéo au mois d'août, parce que je serai en vacances. Ouais, tout le monde a droit à ses vacances. Même les youtubeurs. C'est clair. Et bon. Je pense que Arfeur. Tu peux pas upload là-bas? Non, moi je pars pas en vacances. De là-bas je pourrais pas upload malheureusement. J'aurais pas de PC à portée de main. Tu peux upload depuis le téléphone, mais ça prendrait beaucoup de temps, je pense. Et sachant que la vidéo ne rentrerait pas sur le téléphone. Je pense aussi. On va se quitter sur cette phrase. Les nains, c'est bien, les elfes, c'est pourri. N'oubliez pas de mettre un pouce vert si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et cliquez sur ma tête pour vous abonner. Cliquez sur ma tête pour vous abonner. Il n'y aura pas ta tête, ça marchera pas. Oh, si, regarde. Donc n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et au moins vous serez au courant de la... Si vous vous abonnez, je viendrai pas chez vous et je vous buterai pas. C'est la grosse menace du jour. Et n'oubliez pas, les elfes, c'est nul. Les nains, c'est bien. Salut. Ok. Ouais, donc... Abonnez-vous, ça fait super plaisir et au moins vous serez au courant de la prochaine vidéo qui sortira. Si vous suivez, c'est sympa aussi. On vous adore. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine pour l'épisode 2 de la série déco sur la maison contemporaine. Ciao, ciao. Viens voir.